Imagine si dans cette vidéo-là, il y avait mon mini-moi et mon double en même temps. T'imagines le bordel? Mais bah quoi? Je vois pas problème. Tu vois un problème, non, toi? Non, j'en vois aucun. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a aucun problème. Oh si, ça fait un gros problème. Oh, il y en a même deux. Au secours. C'est pas grave, on reviendra une prochaine fois. Oui, c'est pas. Bien sûr, on reviendra. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez compter sur nous. Et c'est bon, laissez-moi faire la vidéo, j'ai pas beaucoup de temps. Alors, fichez le camp. Bon débarras. J'imagine, non, faire la vidéo avec nous trois, ah non, c'est pas possible, non, ce n'est pas envisageable. Bref, du coup, je sais plus où j'en étais. Qu'est-ce que je disais? Je disais que des conneries, comme d'habitude, hein. Faut pas changer. Oui, je t'avais parlé la dernière fois dans mon autre vidéo comme ça, les vidéos de création du mois de septembre, que j'aimerais bien faire une petite collab avec certains d'entre vous, toi là, si ça te dit. Et j'avais peur de me retrouver toute seule comme une con, et finalement non, vous êtes plusieurs à m'avoir répondu, à me dire que ça vous intéresserait, donc je suis très touchée, et c'est avec plaisir qu'on va lancer cette nouvelle aventure. Hein. Donc voilà. Donc si tu pouvais me contacter par mail ou par message privé sur Facebook, sur Instagram, là où tu veux, tous les liens seront en barre d'infos, donc tu vas où tu veux. Et on va se faire ça bah, rapidement, je sais pas encore quand, faut voir comment tout le monde est compatible. T'as compris ce que je voulais dire? C'est très bien. Je suis super contente, je pensais que j'allais me prendre un râteau et que personne va vouloir faire ce genre de choses là avec moi, et puis finalement vous êtes 5, si je dis pas de bêtises, il me semble, à peu près. Avec moi, ça ferait 6. C'est génial, moi je trouve ça super. Donc, on va pouvoir se faire une petite collab tous ensemble, tous les 6. Je sais plus si c'est 6 ou 5. Enfin, bref, hein, voilà, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Ouais, si tu pouvais, toi, me contacter, ça sera plus simple parce que moi, si je dois contacter chacune d'entre vous, je vais pas m'en sortir, ça va être le bordel. Alors, si toi, tu as justement à contacter, ça sera quand même plus simple, non? J'ai déjà une personne qui m'a contacté sur Facebook et j'ai pas encore répondu, la pauvre. Je vais m'y mettre, hein. Excuse-moi, je suis vraiment désolée. C'était un peu débordé. Bref, on s'en fiche. Du coup, voilà, on va pouvoir lancer une petite collab. Et ça, c'est cool, je suis contente. Et comme ça, bah, par message privé, on va pouvoir plus approfondir tout ça, si vous avez des questions, si Bref, comme ça, par message privé, ça sera plus simple. Voilà. Bref, trêve de blabla, et je vais commencer tout de suite à te montrer les créations que j'ai réalisées au mois d'octobre. Voilà. Je vais essayer de ne pas perdre trop de temps, parce que quand même, l'air de rien, il y en a pas mal, hein. Encore une fois, j'ai pas chômé, alors on va faire vite. Allez hop, au boulot. Bon, je t'ai pas ressorti le même speech que d'habitude, mais comme à chaque fois, comme tous les mois maintenant, tous les bijoux sont poncés à la main. C'est galère. Et ils me font chier les voisins. Putain, cette fois que c'est les vacances. Hein. J'en ai marre. Et je te jure vivement que les codes reprennent. Et même les filles, là, je les ai envoyées chez le voisin pour être tranquille, pour pouvoir faire ma vidéo tranquillement. Et eux, ils foutent un bordel. Oh, ça m'énerve. Vivement qu'on ait une maison, qu'on soit plus emmerdé par les voisins. Bref, du coup, ce que je te disais, oui, tous les bijoux sont poncés à la main. Avec les petites mignons. Ça fait des bobos, ça fait des crampes. Et tous les bijoux aussi sont déjà disponibles sur la boutique. Voilà, donc t'as plus qu'à lui faire un petit tour si jamais ça te dit.
Donc là, je vais commencer par trois petites créations qui sont pas sur ma boutique parce que bah, en fait, je les aime pas. Enfin, c'est pas que je les aime pas, mais je les trouve pas assez. J'ai pas envie de les mettre sur ma boutique et je préfère les offrir en cadeau. Voilà, tout simplement. Donc il y a ces trois petites bijoux là qui sont offerts en cadeau pour n'importe quel achat sur la boutique. Ensuite, bah, Halloween s'est passé, c'était hier, c'est pas grave, mais du coup bah, j'ai quand même refait 4 petits colliers sur, sur Halloween, oui et non, hein, c'est plutôt un thème un peu gothique, et gothique c'est pour tous les jours aussi. Moi je mets pas ce genre de bijoux là, mais je sais qu'il y en a, je connais des gens qui en mettent quoi, donc c'est pour ça que j'ai voulu aussi élargir l'horizon. Donc j'ai 4 petits bijoux dans un style gothique, 4 petits supports câblés comme ça. Voilà, ils sont un mélange de polymère et de résine. Et d'ailleurs, ils sont disponibles sur ma seconde chaîne YouTube en tuto si jamais ça t'intéresse de savoir comment j'ai réalisé ces camés de A à Z. Alors tu verras aussi que le mois d'octobre, eh bien c'est un mois sur le thème des papillons. J'ai fait plein de papillons. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, du coup bah, j'ai voulu refaire plein de papillons. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent sérieux? C'est hallucinant quand même. Ensuite je vais continuer avec des petites parures. C'est juste un collier avec une paire de boucles d'oreilles associées. Voilà, c'est trois, il y en a trois petites parures. Donc on commence avec la première. Donc voici la toute première qui a un effet un peu floral. Voilà, c'est avec ma plaque de texture comme ça. Tout simplement. Tout simplement. Ensuite une parure avec le motif pied de poule. Et quand j'étais petite, j'appelais ça cul de poule. Et c'est parfois ça m'arrive encore de le dire. Quand on est habitué à dire quelque chose depuis toute petite, et c'est dur de reprendre les bonnes vieilles habitudes quoi. Et la dernière petite parure, c'est une que j'avais déjà réalisée il y a pas mal de temps mais qui est partie très rapidement sur ma boutique, du coup j'en ai refait une deuxième. C'est avec ma canne haut. Voilà, une parure en forme de petite goutte.
Et toujours avec cette canne peau, vu qu'il ne me restait qu'un tout petit morceau, et bien j'ai décidé de le terminer en réalisant ce petit collier là. Voilà. Et je voudrais pas dire, mais les oiseaux me laissent tranquille depuis tout à l'heure. Ils font leur petite sieste. Alors, pourvu que ça dure. Donc on enchaîne, on continue avec la suite des créations. Et voici une petite paire de boucles d'oreilles. Ma canne effet dentelle. Je me rends compte que j'ai utilisé beaucoup de cannes ce mois-ci. Trop en tout. Pour faire plusieurs bijoux différents. Bref, voici une petite paire de boucles d'oreilles. On enchaîne avec le collier suivant qui est entre guillemets un espèce de petit plastron réalisé avec des petites pastilles. Voilà, le tout dans un ton, dans des tons bleus. Tout bleu, tout bleu, tout bleu. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le mois des papillons, j'ai fait des papillons. Alors voici le tout premier collier avec des papillons. Donc voici un petit collier avec deux papillons inversés. J'ai utilisé du Pernex Interférence, les trois couleurs que j'avais, du bleu, du violet et du vert. Pour rester dans le thème des papillons, eh bien j'ai réalisé un grand papillon. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un grand papillon comme ça. Et j'ai utilisé une canne papillon pour réaliser ce petit collier là papillon. Papillon, papillon, papillon. Toujours dans les papillons, et eh bien j'ai réalisé un plastron. Alors malgré la couleur, parce que c'est du rose donc j'aime pas le rose, mais c'est un de mes colliers préférés, franchement je l'adore. S'il était d'une autre couleur ce serait parfait. Peut-être que je vais essayer de le faire d'une autre couleur d'ailleurs, parce que je l'adore. Pourtant j'aime pas trop les plastrons, mais je préfère quand c'est des colliers très fins, tout en finesse, passe partout. Les trucs énormes j'ai un peu mal. Mais chacun ses goûts hein. Ça n'empêche que je le trouve très joli quand même. Pour une fois que j'aime bien ce que je fais, c'est rare. Voilà un petit collier plastron papillon avec la canne papillon aussi également. Et on continue avec les créations plus de modelage. C'est plus... parce que là c'était... Oui c'est du modelage aussi, mais c'est pas pareil. Je sais pas comment m'exprimer, c'est horrible. Mais là en fait c'est des créations assez plates en soi. Enfin, c'est... Là ce que je vais te montrer c'est des créations en 3D, entre guillemets. Enfin c'est pas... C'est des personnages. Voilà, pour faire simple, on va pas se compliquer. Hein. Bref, on commence tout de suite avec mon chouchou. Je l'aime beaucoup parce que j'ai énormément galéré à le faire celui-là. Là je suis plutôt contente de ce que j'ai fait ce mois-ci, hein. Je veux pas me lancer des fleurs mais j'y suis contente. Et donc il s'agit d'un petit ours polaire. Alors, juste dans son portrait parce que j'ai pas envie de faire un personnage, enfin une petite bête en entier.
Je trouve que ça fait trop grossier. Je fais juste la tête, moi ça me va très bien, ça me suffit. Bref, voilà, du coup un petit ours polaire, comme ça. Ensuite, les trois prochaines créations, et bien je me suis rendu compte que sur ma boutique, j'en avais plus de disponibles. Tous ceux que j'avais fait auparavant sont déjà volés chez des gens. Du coup, et bien, j'en avais plus, alors il fallait que je refasse. Alors en voici trois. Déjà, c'est pas mal trois, hein, on verra avec la suite. Mais franchement, ça m'a fait trop plaisir de refaire ce genre de création-là, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, et j'adore ça. J'ai pris mon pied à les faire. Non, je déconne, non, mais c'est mon truc. Franchement, faire ça, j'adore ça, j'aime bien. J'ai trop kiffé. Voilà. Du coup, et ben, tu sais pas ce que c'est? Bah non, et ben, je te le dis, j'ai réalisé 3 dragons. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et j'aime bien. J'adore faire ça. C'est encore plus kiffant que de faire des petites fées ou des petites sirènes. Franchement, je kiffe faire des dragons. Donc voici le premier. Sur un sautoir et sur une petite pierre en résine, un dragon tout argenté. Il est assez fragile hein, quand même, les ailes sont en fimo liquide. J'ai collé tout ce que je pouvais comme il fallait, mais bon, c'est quand même c'est des choses qui sont très fines. C'est travaillé tout en finesse, hein, pour pas me... Je dis pas ça pour me lancer des fleurs encore une fois, mais c'est vraiment travaillé tout en finesse, donc du coup c'est assez fragile, même si j'ai collé tout ce que je pouvais. Le petit dragon suivant, il est tout petit, il est tout choupinou. Oh. Petit dragon vert foncé, vraiment d'un vert très très foncé avec des petites touches de doré. Et le dernier, c'est mon chouchou, je trouve que c'est le plus mignon des trois. Enfin, mignon. C'est pas le mot que j'aurais dû employer, mais t'as compris ce que je voulais dire. Voilà. Donc c'est juste le portrait d'un petit dragon. Et je l'adore, celui-là, je l'adore beaucoup. C'est pas français, ça, non plus. Ensuite, la création suivante, c'est une jeune demoiselle qui m'a passé commande. Elle voulait que je réalise ce genre de création-là et je dis ok, pas de problème, je vais faire ça. Et donc voilà, donc elle m'avait demandé de réaliser une femme qui allaite son bébé en porte-clés. Non, en bijoux pour sac à main. Pardon, excuse-moi. Voilà. Donc voici ce que j'ai réalisé.
Et on termine avec les 4 dernières créations. J'ai pas fait de fées et de sirènes ce mois-ci. Non, mais là j'ai fait des vrais chili. Parce que jusqu'ici, tout ce que je te montre, c'est pas des chili, c'est des petites mademoiselles, quoi, voilà. Et là j'ai voulu vraiment faire des vrais chili. À ma façon. Parce que j'ai rajouté quelques petits trucs quand même. Parce que les chili, je trouve, c'est trop... c'est pas... ça manque de vie. Donc moi j'ai rajouté des petits trucs. Surtout au niveau du visage. J'essaye de mettre le plus de détails possible. Voilà, enfin bref, du coup voici mes petites chibis à ma version. Donc la première est tout en jaune, tout simplement. Donc ils sont pas montés ces bijoux là parce que je préfère te laisser le choix à toi du montage. Tu me diras, enfin si tu... celui qui passera commande sur ma boutique me dira quel montage il préfère avoir pour ce genre de création là. La deuxième, elle est tout en rouge et pêche. La petite troisième, elle est en mauve et doré. Et on finit avec la petite dernière que mes filles adorent et qu'elles veulent me piquer. Il s'agit d'une petite chibi qui est déguisée, enfin, entre guillemets, non, elle, en fait elle a juste un serre-tête de licorne. Et donc voilà pour mes 4 petites chibi. Et voilà, donc du coup, j'ai fait tout le tour des créations que j'avais à te présenter pour ce mois de... enfin, que j'ai réalisé au mois d'octobre. Voilà. Oui, que je dise pas de conneries. Donc, j'ai cru que je m'étais envoyée toute seule. Donc ouais, j'ai fait tout le tour, c'est tout. J'ai dit tout ce que j'avais à dire à peu près, je pense. Je vais faire mon speech le même que d'habitude, comme à chaque fois. Si jamais t'as des idées de tuto, n'hésite pas à me le faire savoir, parce que si je peux le faire, ça sera avec le plus grand des plaisirs. Faut juste être un petit peu patient. C'est tout, parce que je suis un peu longue. C'est comme pour répondre aux commentaires, je suis un peu longue. Mais je le fais quand même, parce que c'est ma devise. Voilà. Donc, c'est tout. Ouais, donc si jamais t'as des idées de tuto, bah, tu me le dis, puis si je peux le faire, ce sera avec plaisir. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura aidé, t'aura intéressé, t'aura donné des idées, j'en sais rien moi. Enfin bref, tu peux me laisser tous les commentaires que tu veux et je répondrai à tout ça avec grand plaisir. Faut être patient, c'est tout. Et je crois que ça va être l'heure de se quitter, parce que j'ai fait tout le tour. Donc c'est fini, on arrête là. Alors je te fais tout plein de gros poutous. Et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Putain, pour une fois qu'ils m'ont laissé faire la vidéo tranquille, c'est hallucinant ça. Vous êtes pas malade, j'espère.